Salut à tous, c'est Koinski. Alors j'espère que vous allez bien. Moi j'ai décidé qu'on allait finalement tout de suite se lancer à l'assaut du monastère qui se trouve assez éloigné sur les rives d'Irlande. Ici, on va plus précisément se trouve ici. On va d'abord se ravitailler en abondance. Au niveau du nombre d'hommes, je pense que c'est bon puisque un bateau peut pas contenir trop de personnes et je n'en ai qu'un. Donc, on va essayer d'acheter quelques nourritures. Pas mal de grains, on va acheter comme ça. J'aurai toujours quelque chose, du pain. S'il est pas cher, on va en acheter beaucoup. Des poulets, du fromage. On va vendre cette pierre que j'arrive décidément pas à vendre à bon prix ici, mais tant pis. Et on va se reposer un petit peu pour regagner un petit peu de morale. Une nuit. Soir qui tombe. Deux paysans saxons ont déserté, super. Alors, j'ai regagné 6 de morale, ok. C'est bon. Les événements récents ont causé une forte baisse de morale de mes troupes. Hein. J'avais eu une quasi-extermination. Ouh, regardez ici. Un bateau, peut-être qu'il y aurait moyen de le piquer. Parce que moi, mon bateau, il se trouve là, en fait, dans le port de Dunwich. C'est vachement à l'opposé, quand même. Donc, je vais aller voir un petit peu à qui est ce bateau et s'il n'y aurait pas moyen de le chouraver. Et en même temps, on va essayer d'aller recruter ici. Oula, attendez, attendez. Ils sont que 4. Ah, c'est peut-être le capitaine du bateau, tiens. C'est des Danois, donc ça pourrait correspondre. Ils sont plus beaucoup, clairement. Je vais sauver. Vingt-sept, ils sont 4. Bon, ils sont costauds, mais... clairement, ça devrait quand même aller. En plus, les fermiers ont rejoint la bataille à mon côté. Allez, on va les attendre ici. D'entraînement à l'arc pourra pas faire de mal à Ulf. Ulf qui a changé de gueule complètement avec le DLC gratuit Reforged Edition. C'est dommage, il ressemble plus à rien le pauvre. Enfin, je veux dire, il est pas mal, mais pas du tout la tête que j'avais choisie. Bon, ils ont des boucliers, ça va pas être très très utile de décocher des flèches. Pas mal si les tirailleurs pouvaient foutre le camp au moment opportun quand même. Fire orders. Parce que là ils vont se faire dégommer quoi. C'est un peu bizarre. Oui, il m'a fait mal là. Et je lui ai coupé la tête. Et des dommages critiques pour avoir attaqué depuis derrière. C'est pas mal, c'est une ancienne addition du DLC, j'ai l'impression. Ok. C'est toujours bien pour le moral. On va. Est-ce que je vais recruter des ruffians? Faire parce que j'ai pas beaucoup de. Personnel, on va capturer ces vikings. On va partager le loot.
Du coup, je vais pouvoir voler leur bateau si c'était vraiment le leur d'ailleurs. Je peux pas recruter. C'est sauvé, on va se rendre à ce point-ci, on va voir si on peut prendre le bateau. Vous approchez de la cachette. Les Vikings élites danois ne semblent pas vous avoir remarqué encore et vous pourriez encore vous rapprocher de manière Nito, à l'improviste. L'approche difficile au site le lit d'un ruisseau. Seulement une poignée de troupes dans votre groupe pourraient vous rejoindre. Et seraient incapables d'amener leurs chevaux, c'est intéressant hein, quand même. Votre attaque initiale rate. Je vais pas attaquer, hein. Je veux dire, j'ai des troupes vraiment de cacaboudin, si je peux me permettre hein, cette expression tout à fait raffinée. Je vais aller prendre mon propre navire. Oh, tiens, un petit combat. Ils sont 18 et ils m'attaquent. Il y a des Vikings partout hein, en terre angloise. Alors ça c'est un monastère je pense. Faut je rallie de nuit qui a rien à faire. On va prendre le pont ici. Eh merde, ils m'ont attaqué, je pensais pas qu'ils m'attaqueraient. Nous sommes les frères libres. Je vais pas vous tuer si vous me rejoignez. Ouais. Ils sont 11 quand même, hein, et je. Voilà, mes troupes sont nulles. Ça va être dur. Ça va être très dur. Au moins que je les mette à une position un peu plus intéressante. Bloquer l'accès au pont avec de l'infanterie éventuellement. Je sais pas si j'aurai le temps, non les voilà. Ah, ils sont bien à cheval. Hein. Plutôt faire une charge en bonne et due forme, mais oulala. Oh merde. Petit saligo. Jamais s'en tirer sur ce combat-ci. Plus je joue mal. Pas moyen de les choper. Elle a deux. Oh le vilain, il a tué mon cheval! La méchante bête! Merde, ouille! Ouille, ouille! Les crapulators, les espèces! Salopards! Oh là, oh là, oh là, oh là! Tout doux, mes frères! Si on faisait la paix, ce serait cool. Aïe aïe aïe.
D'accord. Bien. L'ennemi vous prend prisonnier. Bon, bah écoutez. Voilà, voilà. Je me suis échappé. J'ai combien de troupes? 4. Enfin, toutes mes troupes sont parties, évidemment. J'ai plus que mes suivants. Bon Dieu de bon Dieu de bon Dieu, les salauds. Évidemment, j'aurais dû faire plus gaffe. Faut que je retourne, recruter maintenant. Ou alors je recharge ma dernière partie, ce qui serait un petit peu plus pratique quand même, je trouve. Ce machin là il s'est fait looter donc il n'y aura rien. Bon je vais recharger hein, sinon franchement. J'en ai pour un temps dingue à retourner au même niveau pour pas, je veux dire, pour pas un grand intérêt. En tout cas c'est ma vision des choses. Je fasse plus gaffe aux endroits où je passe, c'est tout. Je pensais qu'en fait les Masterless Men n'étaient pas. Attaquer les voleurs ici. N'étaient pas offensifs, n'étaient pas agressifs. Non, franchement, le jeu est déjà assez long comme ça, alors si je me laisse faire prisonnier, que je me retrouve sans troupes, ça devient vraiment trop trop long. Pas pouvoir me le permettre. Oui, c'est déjà assez dur comme ça aussi. Mais où l'ennemi? Faut vraiment que je m'améliore. Hein. Mieux. Je vais laisser tout le loot à mes hommes pour faire remonter bien le moral. 5 de morale, c'est bien. Essayer de faire gaffe maintenant à plus se faire reprendre. J'essaierai de vendre mes prisonniers à Dunwick aussi. Ici des vikings. Notez, ils sont que 4 et ça pourrait faire des bons esclaves à vendre. Oh, ils sont 22 ceux-là, dis donc. Là, ils sont que 4. Less talking, more raiding. Ça devrait le faire. En plus, il y a l'armée du seigneur local qui m'aide, donc là il n'y aura aucun souci. Où sont-ils? J'ai loupé. Thank you.
Oui. Oh, il y a toute l'armée qui leur tombe dessus. Ils sont courageux quand même, hein. Faut bien leur rendre ça. Ou leur très con. On a toujours fait un petit peu d'expérience. Oh tiens. Je pense que ça a été amené par l'édition Reforgée. On va juste aller faire un petit tour pour voir de quoi ça parle. Hutte. Que c'est que ça là-bas? Il y a un monsieur ou une dame? Oula! Et il va se calmer lui! Oula! Un vieil héros, ouais. Le groupe a perdu 2 dommages, a perdu 2 de morale, j'ai perdu 6 de renom. Alors, je parie que ma vie est pas terrible non plus. À 43%. On va recharger, on va retenter le coup. Une tunique de nul, hein. J'ai même pas d'armure. Hop, esquive. Hop. Ouille. Défend bien, hein. Go. Ouh, coup à la tête. Allez, prends ça. Oh là là. Pas si mal, je trouve, mais... Bon, je pense qu'il faudra revenir plus tard à ce genre d'endroit. N'est-il pas? Ah bah là, carrément, je suis décédé. On va éviter ça, hein. Clergé, chrétien, effectivement, il me fouille. C'est-à-dire que j'en ai trucidé un ou deux, hein. Allez. Ah là là, pas moyen de vendre. Esclave. Des fois en se baladant dans la rue, on peut quand même le faire. Que je trouve un marchand d'esclaves dans le coin. Bon. Tant pis. Faut 1408 pour réparer. Ah là, je peux pas le faire non plus. Oui, non. Faire naviguer depuis le port.
Alors, je vais sauver ici. Essayer de pas se faire trucider en chemin. J'ai un petit peu du mal quand on navigue, je sais pas pourquoi, franchement. Je crois que j'ai tout intérêt à avancer dans l'histoire de la campagne, puisque j'ai choisi une histoire en mode... Une campagne plutôt en mode histoire. J'ai peur qu'il y ait des éléments qui soient bloqués tant que j'aurai pas avancé dans l'histoire. Notamment le fait d'être un mercenaire ou être un seigneur. King qui patrouille. Qui me fout la paix, ça va. Oula, 34. Oh merde, ils m'ont vu. C'est bien, l'hiver se... Je suis plus rapide qu'eux, je pense. Je vais pouvoir me tailler. Du bol là. Peut-être dû au type de bateau que j'ai, je sais pas, j'en sais rien. Personnellement, je suis pas fan de l'ajout des bateaux dans le jeu, je veux dire au niveau des déplacements, c'est hyper pénible, en plus sur la mer il n'y a rien. Ça me plaît pas énormément en fait cet aspect-là. J'ai encore à vivre une grosse bataille marine aussi, il faudra voir. Je trouve que c'est bien chouette. Allez, on y va, on avance. Oh, que c'est loin. Je pourrais me faire aussi l'autre caravane, hein. Ça peut faire beaucoup de pognon. Je crois que je suis encore trop faible pour le moment. Un petit peu de risque là en accélérant fort le temps, mais en tout cas ça rend bien l'aspect un peu long des voyages en mer à cette époque-là. Qu'est-ce qu'on a ici? On a un marchand, son 28 contre 24 vikings. Je pourrais essayer de... Je me demandais si je pourrais pas aller dans la bataille pour aider les marchands comme ça, pour voir un petit peu, pour rigoler, qu'est-ce qui se passe si on fait ça? Un petit peu. Va aider le marchand. Qui sont les ennemis? Alors bon, je peux personnellement. Je me souvienne comment on fait. Ouais, c'est comme ça. Et on va aller à l'abordage avec les autres, hein. De toute façon, est-ce que j'ai des archers seulement qui peuvent tirer? Ouais, ils balancent des trucs, c'est pas non plus... On va faire le tour. Les vikings sont en train de les étriper.
Bon, c'est assez chouette quand même ça, hein. J'ai pas mis la marche avant, dans ce cas-là, ça peut pas trop marcher. Est-ce qu'ils sont avec moi en fait? Bien sûr, hein. Je crois pas. Non, non. Vraiment spécial. J'ai stoppé. Est-ce que je peux grimper chez eux? Ouais. Hop là. Voilà les autres. Et là. C'est vraiment spécial, je sais pas comment ils ont fait pour coder ça. Eh oh. Attention, on va y aller. Ça. Faut que je tombe dans l'eau non plus. Et merde! Oh! J'ai su quitter la bataille avant de mourir dans d'atroces souffrances d'asphyxie, de noyade. J'ai gagné, mais j'ai eu des pertes. Hein. Ça, c'est con parce que j'espère que ça ira pour le monastère. Ouais, j'ai augmenté ma relation avec le ce royaume là, mais franchement, merde, il me reste plus que 15 hommes. Moi, le loot est pas trop mal. J'ai enfin une armure. La hache. Ouais, bonus contre les boucliers, ça peut quand même toujours être utile. Une tunique. Truc qui m'intéresse pas trop. 15 aux jambes. Et voilà, au niveau 7. Et 13, 14, 13, 4 plutôt. C'est un petit peu mieux, c'est pas génial. Donner ce casque. J'espère que ça. Qu'est-ce que ça embête? Ça embête pour le tir à l'arc en fait, à cause de la vision en fait, ce casque là. Oui, c'est un petit peu embêtant pour elle, j'ai fait une archère donc on va pas lui donner. C'est son bonnet. Lui, je pourrais lui donner la hache, tiens. Là. Alors, j'ai 2 points. À dépenser. Je pourrais avoir un deuxième bateau sous mon commandement si je prenais un point de Sea King. Ça augmenterait ma vitesse sur les mers, mais c'est une compétence d'équipe. J'espère pouvoir recruter quelqu'un qui va me donner des points là-dedans sans devoir les dépenser moi-même.
temps, je suis un petit peu coincé. Persuasion, on sait jamais pour les quêtes, ça pourrait quand même être sympa. Ok. Ah ben voilà l'objectif. Non, je vais passer par la ville d'abord pour éventuellement vendre tout mon petit brol et vendre mes esclaves. Beaucoup de monde ici. Qu'est-ce que c'est cher? C'est des bonnes troupes, je pense qu'on peut recruter dans les tavernes, mais elles sont chères. Bon, j'ai eu ce que je voulais ici, c'est pas grave, on va... peu de commerce. On me voit là avec... Ah, ils me suivent là. J'ai 15 hommes qui peuvent se battre. 12 hommes. On va dresser un petit camp pour la nuit et ensuite on attaquera le monastère. Ce sera pour la prochaine vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. On a progressé ici parce qu'on est tout près de... d'avancer dans la campagne au niveau de l'histoire. Donc ce sera pour la prochaine fois. Salut tout le monde!